Eh bien bonjour tout le monde, c'est Rémi Koupa. Alors l'ennemi s'est mis sur moi, hein, il m'a attaqué hors vidéo pendant que je faisais un truc. Bon, voilà, de toute façon on savait déjà c'était quel ennemi, on l'avait déjà battu plein de fois avant, donc je m'étais dit que c'était pas si grave si on le combattait, si je le combattais tout seul de mon côté. Je m'étais dit que ce serait pas si grave et puis bah voilà. Non vas-y, fais ça. Ouais. Puis voilà, au moins ça fait gagner du temps aussi. Hein. Ça fait au moins un combat au moins, c'est pas plus mal. Voilà, comme ça on n'a pas eu le passeur, mais au moins moi j'ai passé un combat. Et ça c'est cool. Babxa. Xaxaberto. Putain de sa mère la pute. Bah oui, bah ils sont pas. Bah si, ils sont tous morts. Trop bien. Waouh. Oh là là. Oh, mais quel est ce truc? Poudre aux yeux. D'accord, bah cool. Après tout. Casse-toi. Va falloir tous les enculer, Yamor. Merde. D'accord, donc c'est obligatoire qu'ils soient comme ça. Pas du tout. J'ai niqué un truc pour rien. Super la vie. Salope de vie. Voilà ce que je regrettais le plus. Ce jeu me fatigue. Et merde. J'espère qu'ils vont pas se relever les autres. Oh ta mère la pute. Merly, je te déteste. T'aurais pu te ramener plus tard. T'aurais pu te ramener plus tard et tu t'es ramené maintenant, espèce de pute. Elle aurait pu se ramener là pour qu'on ait 40 points. Eh ben non. Espèce de merde. Pétasse va. On aurait pu tellement gagner un nouveau niveau rapidement en plus. Ouais, bon, allez, là, je vais peut-être me soigner quand même. Je vais peut-être pas faire le show. C'est quoi d'ailleurs même? Truc que j'ai envie de faire. Allez hop, c'est quoi, nique sa race. On fait ça. Allez. Viens là toi. Comme ça au moins. Allez hop, on essaye ça. Même si je sais qu'on va pas réussir à tuer tout le monde. Ce qui m'emmerde fortement. Parfait. Après, si on peut tuer tout le monde, franchement, c'est un miracle, mais j'y crois pas. Ah si, on les a tous eus. Bah, autant pour moi. Tant mieux. Aucun regret. Très content. Très très content. Quoi de la vie.
Allez, mettez-moi le passeur, s'il vous plaît, j'en ai besoin. Non. T'auras pas l'initiative, connard. Ok. Aïe. Hey. Oula. Faut peut-être faire attention à celui-là, là. Bah là, on va devoir la jouer avec ça, hein. Ouais. Voilà la sécurité. Et allez, on les retue tous encore une fois, dans le doute. Super Mario. Putain, on va acheter tellement de soins après, mon Dieu. Quand on va en finir avec tout ça, on va acheter tellement de soins. Ça sera beau, hein. Mais ça sera terrifiant aussi le nombre d'argent qu'on va dépenser. Enfin, du moins, ça sera des trucs que je ferai hors vidéo parce que là, ça pourra prendre des heures. Attends, du coup, on est à quel étage? 70. Putain. Ouais. On va essayer d'aller à l'étage 80 minimum. Ça va être l'objectif. Putain, c'est nouveau ça. Hey connard! Pourquoi t'es jaune? Oula, il en a de la défense déjà. Rien que là, ça m'inquiète honnêtement. Vu la défense qu'il a, je m'attends au pire. Oh! C'est un Magix! Une machine qui m'a... Wow. Et forcément, je m'y attendais en plus. Évidemment. Il a fait que dalle même quand il se met pas de la défense en plus, super. Ah, ça va être chiant, je m'y attends. Ah, c'est de la merde. Oh! Elle a esquivé la mort là. Tu vas charmer, hein. Ouais. Et merde, elle est morte. Eh bah putain, vivement le prochain niveau, hein.
qu'on aura dans cette vidéo, évidemment. Mais quand même, vivement. Parce que là, ouais, c'est un peu chaud quand même. Hein. C'est chaud, 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 chaud. Putain, juste on met le passeur, mais ce serait tellement jouissif. Là, le... ça va durer tellement plus longtemps que ce que j'avais prévu, honnêtement, là. Et merde, en plus, lui, il va être puissant. Hein. Goumeli, vas-y, dis-moi. Ce que tu sais sur les champs normales. C'est un champ rien qu'à voir sa mâchoire, ça me fait froid dans le dos. Il a beaucoup de vie. Et il est tellement résistant qu'il ne sentira même pas les petites attaques. En plus, le feu et la glace ne lui font aucun dégât. Il a peu de PC, alors, technique spéciale MDR. Hein. Ouais. Allez. C'est ce qui peut fonctionner le mieux, je trouve. Oh putain, eh ben là le prochain niveau on l'a, hein. Clairement on l'a. De toute façon elle sera soignée alors. Allez, même Mario fait du charme. Tant qu'il revient pas à la normale. Aïe. Ah d'accord, bon bah au moins on sait ce que ça fait cette attaque, c'est sympa. Non franchement c'est très classe. C'est emmerdant mais c'est très classe. Allez hop, niveau plus. Oh le bonheur. Quoique, j'ai peur. Si si si, niveau plus. Oh le bonheur, on va augmenter nos PF en plus, oh oui, je suis content. Niveau plus, c'est les PF. Oh oui, oui. Et nos points étoiles qui augmentent, ah, quel bonheur. Ah, plus d'argent, bah c'est mieux que rien. Hein. J'aurais préféré plus de... Ah oui, quand même. Putain. J'ai même pas pu voir on en avait gagné combien en tout, tellement c'était beaucoup. Mais bon, c'est mieux que rien. Évidemment. Ah, une flamme verte, on l'a jamais eu, elle. Ah, quoi que si. Oui, bon, bah là. Bon, déjà, elle survit. Déjà, là, faut s'inquiéter. Goumeli, qu'est-ce que c'est que ces merdes, s'il te plaît? C'est un feu follet, un monstre né dans la rancune des trépassés. Et moi je dis que j'ai horreur de ces trucs. Brr. Il a pas de défense. Si tu le touches, tu subiras des dégâts et ne t'affiche pas de l'attaquer avec du feu, c'est encore pire. Ces attaques peuvent te laisser enflammer alors tu dois les bloquer. Alors éteins-moi cette horreur ambulante. Brr. La cinquuplette. Je sais pas comment ça se dit. Mais en tout cas, on va gagner beaucoup d'XP là. Ah bah ouais. Oh mon dieu. Non ! Non, me niquez pas la gueule. Bon bah... Ah désolé, sincèrement désolé, mais j'aime pas les utiliser parce que j'ai envie de les garder pour le bon moment, mais
Franchement, vu la gueule des attaques qu'on a à faire, hein. Parfait. Allez hop, 25. Oh le bonheur. Ça fait chier d'en utiliser autant de points étoiles, mais quand même, qu'est-ce que c'est cool. Points étoiles, ceux-là, hein. Pas points étoiles XP. Quoique. Et quand même, 25. Oh. Là, je crois qu'on va vraiment commencer à galérer hein, sur le jeu. On l'a jamais eu celui-là en plus. Ah si. Si, c'est juste moi qui n'a pas voulu l'attaquer avant, c'est vrai. C'est moi qui faisais que de l'esquiver au chapitre 4, je m'en rappelle. Bon bah vas-y, tu sais quoi, autant commencer par eux, parce qu'ils vont être très emmerdants. Quoique, Goumeli, qu'est-ce que t'as à me dire sur ça? C'est un Swoopula, une chauve-souris vampire qui attaque du ciel. Bah voilà, hein. Non seulement il nous pompe des PC, mais en plus il se soigne avec. Ras-le-bol à la fin, on a mieux à faire que de se faire mordre quand même. Je te comprends. Hey! Sale pute! Allez hop. Tu voulais baiser Mario. Non! Quel malheur. Bon bah je pense qu'il est éventuellement l'heure d'éventuellement probablement hypothétiquement de faire un coup d'étoile. Et en plus si on peut one-shot tout le monde, c'est encore plus jouissif. Mais ça, est-ce qu'on y arrivera? Xayah. Babxy. Allez, est-ce qu'on va réussir à tous les fumer? Je le souhaite. Est-ce que j'y crois? Pas du tout. J'ai rien dit. Ah si, si, si. J'avais raison. Allez, comme ça, toi, tu m'attaques pas et tu ne me brises pas les couilles. Allez, meurs, canard. Voilà, je suis content. On est à l'étage combien là? 74. Putain, encore 6 étages à faire. Enfin, 5 du coup. Ça va être long, hein. Et chiant. Surtout. Mais bon, c'est pas grave. Oh yes. Oh mon dieu, oui. Oui. Je suis un passeur. Je connais un ou deux raccourcis dans ce donjon. Pour quelques pièges, je peux t'épargner bien du souci. Bah, 5 étages plus bas, hein. Bah attends, ça veut dire que vu qu'on est à l'étage. Je crois que je viens de faire une connerie là. Oh tant pis, c'est pas grave. Parce que ouais, du coup, ça veut dire qu'on est arrivé ici. Bon, c'est pas plus mal en vrai. Hein. Attaque choc. Mario peut vaincre un ennemi faible en l'attaquant dans l'aire de jeu. Ok, mais c'est quoi l'aire de jeu? Ouais, c'est pas expliqué. Bon, bah, vous savez quoi, nique sa mère. On continue, on essaye d'aller jusqu'au 85. Ah, je sais, j'aime le risque. Après, si on peut retomber sur le passeur, éventuellement, on va pas cracher dessus, hein, si on peut retomber sur lui. Ouais, on les avait jamais vus. Hein. Bon, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Goumeli, fais ton travail. C'est un Enya, une créature bizarre qui a beaucoup de vie, hein, quand même. Putain, 12 de vie et 2 de défense. Il est puissant. Il n'a pas d'attaque spéciale, alors garde-toi son choix, utilise son marteau. Oui, madame. Bon, bah. Fais chier. Waouh. Ah oui, c'est très puissant. Oh. Mon dieu. Mais du coup, l'XP que ça doit donner, quand même, ça doit être pas mal, hein. Oh, joli! Ok, là je commence à avoir peur.
Faut que je le bloque le dernier, sinon je suis mort. Parfait. Aïe 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 aïe. Ah non, là je peux pas, je suis obligé de me soigner. C'est trop risqué sinon. Aïe. Waouh, putain, autant d'XP, mon dieu. Et merde, on aurait pu tout gagner à nouveau. Putain, ça donne 8 XP. Vous imaginez si Merli est ok de me donner de la vie là après? Oh, joli ça. Vous imaginez là, on termine le combat, Merli elle veut nous augmenter l'XP, elle le fera pas, mais imaginez le bordel que ça serait quand même. On serait déjà niveau plus, hein. Clairement, on aurait été niveau plus. Ce qui aurait été très jouissif quand même, hein. Mon dieu, là on commence vraiment à découvrir de la vraie difficulté, hein. Là, on est niveau 23 en tout, putain. Niveau 23 et on se fait déboîter. Ah mon dieu, on est tellement mort. On est tellement mort. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Aïe! Hey, il m'a pris par surprise, le bâtard! Et évidemment. Moi, on peut les attaquer. Parce que clairement, là, c'est Mario qui doit se prendre tous les dégâts. Clairement, c'est Mario qui doit se prendre les dégâts. Goumeli, elle, faut qu'elle nous les indique, les autres. C'est un son mépris qu'un monstre né de la pierre il y a très longtemps. Voilà, beaucoup trop de vie. Non seulement tu ne peux pas sauter dessus, mais même s'approcher est dangereux. Et il est solide, l'animal. Je recommande les techniques spéciales ou les objets. D'accord. Super. Super. M'en fous, mettez autant de dégâts Mario qu'il le faut. Et merde. Eh, va te faire enculer, oh! Bon, bah, comme elle l'a dit, hein. Eve, toi là. Au moins, on sait c'est quoi son nombre de points de vie à lui, donc c'est pas plus mal, hein. Parce que là, le Traspo, on va être obligé de le faire. Là, on est obligé. C'est la seule attaque où on sait qu'on peut le fumer. Les autres, bah, il y a un pourcentage, on va dire, hein. Bon, au moins, lui, il est mort. C'est déjà ça. Par contre, le fait que les autres soient pas morts, là, ça m'inquiète. Game over. C'est fini. À moins que... Bah ouais, mais là on peut rien faire quoi. Même si je fais l'ultra, je suis mort. Bon bah de toute façon... Hein... Ouais. J'espère qu'on aura la chance de pouvoir... Oui, ça va, on a la chance. Bah honnêtement, là, on n'a pas le choix. On va prier pour que ça fonctionne. Hein.
Oh mon dieu. Oh putain de merde. Viviane, mais merci pour tout. Oh merci pour tout, Viviane. Oh putain. Oh bordel. Oh l'horreur. Oh putain, merci pour tout, Viviane, sérieusement. Ah non, mais là. Franchement, comment ne pas aimer ce personnage, quoi? Dégâts PF, non. Attends, tu sais quoi? Allez, hop. Comme ça, moi. Mario peut sauter sur un ennemi piquant sans subir de dégâts. Là, je suis désolé, on est obligé de le prendre. Vu les ennemis qu'on va se prendre, on n'a plus le choix. On est obligé de prendre ça. Là. Oh, il est planqué le bâtard. 83. Allez. Mais merde, j'aurais pu l'attaquer. J'aurais pu lui mettre un coup de marteau. Ah, le regret, le regret. Mais en vrai, c'est pas plus mal maintenant qu'on peut les... Putain, ça va, on n'a jamais eu la plante piranha normale. C'est vrai, on l'a jamais eu. On l'avait jamais vu. Bah ouais, donjon aux sous-étages. Sa pire nature, chez les plantes piranha, il n'y a pas pire. Il n'a pas de défense, donc ça va. Mais il fait mal. Ça semble une plante piranha ordinaire, mais la différence est mordante. T'as compris la blague? Bref. Oui, bah là. Oh, et ben voilà, tout le monde a pris des dégâts, c'est cool ça. Hey! Mon Dieu. Oh, vous imaginez pas comment là, chaque combat me met dans un stress fou. Vraiment. Ça me met dans un stress énorme. Parce que là, on voit de la vraie difficulté. Je pense que même le combat final ne me fera pas autant stresser. Bon, déjà parce qu'il sera solo, pour commencer. Et de deux, bah, parce que... On utilisera Goumeli une seule fois et après c'est fini, on ne l'utilisera plus. Contrairement à là où je me sens obligé de l'utiliser à chaque fois, Goumeli. Parce que, bah, justement, on a, comment dire, on a besoin d'elle, quoi. Ouais, allez. C'est pas ce que je voulais, mais vas-y, de l'attaque en plus, c'est mieux que rien, hein. Ah ouais, mais que pour un tour. Ouais, c'est de la merde. Plus, elle tue même pas, donc, ouais, non, c'est vraiment nul. Elle est déjà morte, la pauvre. Non, mais arrêtez, oh! Bon bah c'est déjà mieux que rien. Il y a un mort, c'est parfait. Vu qu'il faut la garder en vie, je propose qu'on la change avec... Vous attendez à quelqu'un d'autre, vous? Allez, toi, viens ta race. Hey, il a été soigné, c'est de la triche. Non, pas Viviane, ne lui mettez pas de dégâts à elle, non. Termine-les. Fume-les tous. Parfait, Viviane. C'est vraiment le personnage qui va nous sauver la vie à chaque fois, j'ai l'impression. Ah, mon Dieu. Si on peut revoir le passeur ne serait-ce qu'une fois là, ce serait mais magique. Si là on tombe sur le passeur, c'est magique, mais j'y crois pas. Clairement là je pense que là, tout à l'heure c'était la dernière fois qu'on le voyait. Hein. Attends, on est des tâches combien là? 84? Ouais bah non, vas-y, dernière attaque et après on s'arrêtera là. Et je suis très content de garder Viviane parce que bah vu son attaque de feu, on va en avoir besoin. Hein. Allez ma chérie. Ah, je crush vraiment trop sur elle, c'est très grave.
Si Merlis ramène à la fin du combat pour augmenter notre XP, dites-vous qu'on est très bien là. 6 points étoiles par plante piranha tuée. Alors, imagine. Aïe. C'est pas grave, t'as fait de ton mieux. Donc, imaginez juste le bordel que ce sera quand on va. Si elle se ramène là, on termine le combat, hop, elle se ramène. Imaginez le bordel en termes d'XP qu'on aura, ça va être beau. Oui, bon, là, de toute façon, c'était pour augmenter ça. Donc, honnêtement, pas grand-chose à perdre. Brûle. Allez, Viviane, relève-toi. Oui. Ça aurait été tellement bien si elle se serait ramenée, là, Merli. Ça aurait été cool. Waouh. Ok, bon bah tant pis. Lui, soit je le combattrai hors vidéo, soit on le fera dans la prochaine fois, ça dépend s'il va m'attaquer. En tout cas voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Sur ce, c'était Nimikupa, et puis à très vite pour la suite. Au revoir tout le monde. Je vais me sauter.